Salut, donc on a bientôt fini le parcours de Strago. On appuie là, voilà, s'ouvre une petite échelle. Là, on prend un coffre, le pins doré, en colorie, enfin on s'en fout, c'est un pins. ouais. Attendez. Ouais, c'est ça. Je me demandais si je m'étais pas trompé de route. On peut pas le tuer un coup lui. Merde, quel con. Je crois que j'étais sur offense, c'est pour ça. Voilà. Putain, je rends des commentaires à la con en ce moment. J'ai rien à dire quoi. Quand il pense le dernier outil d'Edgar, c'est vraiment un truc de sadique en fait. S'il fait un truc, le gars il crève. Il peut le buter directement. C'est vraiment un truc de bâtard quand même. Voilà, donc on passe par là. Et on va combattre. Le dragon. Et merde. Tu vois un truc pour venir m'emmerder. Je leur fais un glace 3, tiens. Et ça c'est la roulette qui tue quelqu'un au hasard, vu qu'on est 4, on a plus de chance d'être. Eh ben non. Putain, ça a rien fait. C'est dégueulasse. Ah, yes. Putain. Plus ça. Oh non, ça c'est l'enfer. Ah non, c'est pas ce que je pensais. Je crois que c'était le truc qui faisait altération d'état sur tout le monde. Oh bah voilà. Pas si dur que ça. Un peu long mais... Ah roulette. Ah bah super. J'ai appris plein de trucs. Bouche aigre, roulette. C'est pas le moment de crever vu que j'ai appris plein de trucs. Voilà, je vais augmenter les... Je vais leur mettre CMP à elle. Donc là on va combattre un dragon qui craint la glace.
Et franchement, c'est du gâteau. Franchement, c'est vraiment très simple. Vous allez voir ça. Enfin, deux temps, trois mouvements, le truc. En fait, les dragons ici, ils sont à chier, quoi. C'est les moins forts. Bon, j'ai arrêté de me foutre de sa gueule parce qu'il va me... il va me buter, ça. Alors, glace 3. Glace 3. Attaque. Bon, des fois, on voit pas très bien le curseur, c'est un petit bug. Glace 2. Voilà. Après, j'appuie sur A comme un port. Et dans 2 minutes, il est mort. Attends, en plus, ça arrive. Attention, c'est de l'art. C'est chiant hein, quand il n'y a pas d'histoire. En plus là, on, c'est des, je fais des cadets annexes depuis au moins 20 vidéos. Donc... pas d'histoire depuis 20 vidéos, c'est du combat. Putain, je viens de remarquer un truc que j'avais jamais vu. La main de Gogo, elle brille quand il lance un sort. Vous voyez, c'est trop simple. Hein. Il est pas rapide, il est beaucoup de... Putain, ça, il me l'avait pas encore fait et c'est très chiant. Ah bah non, il a un ruban, bon, ça. J'ai eu de la chance. Vous voyez, il est lent, il a chier. Et voilà. C'est trop rapide, hein. Alors là, si c'est les crève, ça serait vraiment con. Oh non, j'y crois pas. Je crève pas. Putain, le coup de peau. Et voilà, on a battu tous les dragons. On a une petite revue. Et on a la seule invocation qu'on n'avait pas. Sans compter Ragnarok, puisqu'on a l'épée. Et voilà. Crusader. Merde, encore bourré de touches. Crusader, voilà. Donc, talent. CS, on va lui mettre Crusader. Voilà. Donc, vous voyez, ça c'est un sort de feu sur tout le monde. Bon, ça vous connaissez. Et pour son PM à chaque fois. Un must quoi. Et là vous allez voir, on arrive à la fin du parcours de Strago. C'est pas le moment de crever. N'utilisez surtout pas Crusader en combat, ça crève tout le monde. Ah mais la glace 2. Feu 3. Magie. Feu 3. Magie, glace 3, allez. Mimé. Ah, lui fait glace 3 gratios en plus avec son mimé. Bon, il fait des dégâts à la con, mais c'est pas grave. Voilà. Et voilà. Il est mort, on s'en fout. Et voilà, on est enfin arrivé. On en a mis du temps. Hein. Terra. Petite sauvegarde rapide. Le cheater. Voilà. On va prendre ça.
Coroner, qu'est-ce que c'est déjà Coroner? Lapin. Non, bon. On va pas chercher à comprendre. Ah, s'il y a un truc que j'aimerais bien savoir ce que c'est. C'est la relique que j'ai prise la dernière fois. On monte l'épée. Ouf! Ah, quand même! Autant que ça, putain. C'est pas mal, hein, quand même. Mais j'hésite. Non. Je le mettrai contre quelqu'un. On va voir si je m'en sors mieux avec ce groupe qu'avec l'autre. J'aurais dû acheter des trucs pour lancer avec Shadow, mais bon. Voilà. Ah mais ça va, il est pas trop mal ce groupe. Moins chiant que l'autre. Sauf que... Oh non. Oh. Je crois que c'est eux qui vont tomber sur le boss le plus dur. Parce qu'il y a un gardien là qui est bien chaud. Je crois que c'est eux qui vont tomber dessus. On fera avec. Alors... Lui je lui ai enlevé sa relique à la con. En fait ça sert à rien. Attends, je vais mettre ça pour déconner. Équipe. Illumina, bouclier, voici. Dépipé. Il y en a qui ont de la chance, non je déconne. On va voir ce que ça fait son dé. Voilà pourquoi je préfère pas voler, parce que c'est beaucoup mieux comme ça. Ça fait 3 fois plus de dégâts. Ah c'est trop énorme le dé, ça fait des dégâts hyper aléatoires. Vous voyez Kate dans FF7, elle limite, bah elle est reprise de ça en fait. Il y a vraiment tout dans FF. 6. Il y a tous les trucs possibles quoi. C'est vraiment un épisode fondateur. Non, on voit bien les dés et tout. Ah, pas mal. C'est trop énorme comme attaque. Franchement, cette ZR, c'est bien trouvé. Il a que des armes comme ça, originales. Oula. On aide. Ah ça enlève pas Lutin Romain? J'aurais cru. Non. Lutin. Ah Lutin. Je l'ai pas. En fait la musique est fun mais à force de l'entendre ça saoule un peu.
ça sent un peu le traquenard là, je sais pas pourquoi. Ah, ça c'est un des... Il a le même modèle que le boss qui m'avait bien saoulé là. Il est puissant ce con. Putain. Il contre-attaque ou quoi? Putain. Ouf. Ah, pas mal cet ennemi, tiens. Que je ne dois pas de bouton, voilà. Ah, putain, on doit rendre des dragons. Et ça m'étonnerait pas qu'il fasse des attaques de mort là. Putain, je peux pas même mieux faire que ça. Putain de merde. Oh le salaud. Ah mais c'est pas des merdes les amis d'ici hein. Ah bah oui je me rappelle, il fallait ouvrir le coffre là pour pouvoir aller là. Shaken, encore un truc pour Shadow. Bon, on va se les faire facile. Je crois qu'il y a une meilleure arme de Sian quelque part, mais je sais plus où elle est en fait. Faut peut-être la voler à quelqu'un. Skyrender, elle s'appelle. Je sais plus où elle est, putain. Faut peut-être tuer un ennemi en particulier. Ou... Enfin, j'espère qu'elle est dans un coffre, parce que je prends envie d'aller la chercher, je sais pas où. Hein. Ah ben voilà. Ah bah oui, c'était rapide aussi. Voilà. Qu'est-ce que ça a changé? Non, ça a rien changé. Ah, d'accord. Je suis pas trop figé là. J'ai rien compris même. À quoi ça sert cette connerie? Ouais. Bon écoutez, je vais vous quitter parce que j'espère que... Je préfère que la vidéo dure pas trop longtemps. Ouf. Donc on se retrouve après ce combat en fait. Allez, à plus.